Donc ça nous a permis de pousser toutes les données de tous les produits très rapidement et de façon efficace. Donc, je suis Sylvain Rabalan, chef de projet digital pour le groupe Intuis. Christophe Nicodem, je suis depuis plus de 20 ans dans le groupe Intuis et je suis chargé de l'administration des projets au sein du groupe Intuis. Et le groupe Intuis, c'est un groupe industriel fabricant de solutions de confort thermique. Donc ça va des pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, radiateurs électriques intelligents. Donc les solutions les plus importantes pour le succès de notre business, c'est de faire des produits qui répondent aux besoins des clients déjà, qui correspondent aux attentes des installateurs, qui sont partenaires et revendeurs de nos solutions. C'est vrai qu'on parle des professionnels, mais il y a aussi une grande part d'appareils qui sont dans les grandes surfaces de bricolage. On a des besoins qui peuvent être différents suivant les circuits de distribution. On en a profité de cette arrivée de Quable pour refondre totalement le cycle de vie de la partie développement, l'industrialisation, la mise en production, jusqu'à la fin de vie du produit. Et pour diffuser l'information au juste moment de la bonne commercialisation des produits et une seule information à un seul et même endroit. Nous avions une problématique d'uniformisation de la donnée et de qualité de la donnée, car notre donnée était dispersée sur plusieurs marques. Et ça nous a permis d'agréger les données sur une seule et même plateforme, de les uniformiser et de les diffuser d'un seul point vers tous nos canaux. Les différents canaux, effectivement, étaient problématiques grâce à l'arrivée de Quable. On ne met qu'une seule fois les données, les caractéristiques techniques dans notre ERP et les liens se font automatiquement vers Quable, donc en une seule fois, et la diffusion de l'information est faite uniformément à toutes les personnes qui en ont le besoin. Ça nous a également permis de contribuer davantage d'informations, des informations de meilleure qualité, tout ça dans le but de satisfaire nos clients. Aujourd'hui, donc, on utilise Quable pour alimenter le portail produit, les sites internet. On vient générer un fichier qui s'appelle le FAB10, c'est un fichier fabricant-distributeur, donc dans lequel on vient mettre toutes les informations. Ce fichier-là, il est fabriqué directement depuis Quable en un seul clic. D'autre part, on utilise également le PIM Quable pour pouvoir générer des fichiers et fabriquer nos fiches produits, tout ce qui est print, également nos catalogues, dans lequel on va chercher des informations dimensionnelles, des informations également techniques, les photos, pour pouvoir générer des fiches produits spécifiques avec InDesign. Nous avons apprécié le lien avec Quable, surtout avec la synchronisation que l'on avait avec notre ERP classique, qui nous a permis donc la diffusion facile de toutes les caractéristiques techniques de l'ensemble de nos produits. On a décidé de choisir le PIM Quable pour son interface facile, ergonomique, mais également on a choisi cet outil par sa puissance dans la contribution des données de façon assez aisée. En quelques clics, on peut contribuer facilement. Et puis également pour ces outils qui permettent de mesurer les complétudes de données. Tous les contributeurs ont pu utiliser l'outil facilement. Également le service informatique grâce à la documentation de l'API a pu utiliser l'intégration à notre ERP. L'ensemble est très fluide et ça nous permet de pouvoir répondre et de pousser de la donnée sur tous nos canaux en temps et en heure pour tous nos clients. Alors les clés de la réussite d'un projet PIM, c'est une bonne préparation en amont, de pouvoir impliquer le maximum de collaborateurs possible, c'est de montrer également rapidement délivrable, pouvoir satisfaire eh bien, que ce soit les clients mais aussi l'ensemble des collaborateurs. Les futurs projets avec Quable, c'est la traduction de toutes nos données en plusieurs langues pour pouvoir les diffuser à l'international. Un autre projet également, c'est le projet e-commerce B2B. Quable va nous aider pouvoir diffuser toutes les informations sur nos pièces détachées. Ce qu'on pourrait dire aux autres entreprises, c'est de bien préparer la donnée pour pouvoir l'accueillir dans le PIM, de ne pas hésiter à passer du temps sur cette phase-là, parce qu'ensuite, en fait, l'outil est fait pour contribuer et également pour pousser de l'information rapidement.